Je sais pas pourquoi je le sens pas, Tchak. Bon, Neko, ça fait 4 fois que tu me dis bonne soirée et que tu continues à spam dans le chat. Alors soit vous êtes 3 sur le compte et vous relayez, soit à un moment faut aller dormir, frérot. Le reset, ce sera le premier. Non, ce sera au moment du patch. Quoi qu'il arrive, le patch, il sortira un mardi. Donc, soit le 3, soit le 10, je dirais. Janvier. Le 3. J'avoue que j'espérais aussi que ça. Ce serait cool que ça arrive le 3, mais bon, si c'est le 10, on prendra notre mal en patience. Ça me donnera plus de temps pour essayer de faire mon top 1 geôlier. Donc vous mettez des vrais paliers pour les points de chaîne? Jamais. C'est pas prévu qu'on donne. De l'intérêt au point de chaîne. Enfin, jamais dire jamais, mais c'est pas dans les plans actuellement. On a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi. Ça, c'est vraiment cool la récup. Vraiment. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'aller faire son up taverne 2 sans avoir de token et de récupérer lui. C'est vraiment quelque chose qui me fait bander en fait. On peut pas perdre l'acier. Bien sûr que non. Oh la liche. La liche sur un timing bien bien curse. Alors, jouer 3 pirates ou démons, coupe de sang. Oh, sac de kidnapping, c'est juste trop fort. Ça s'active vite, mais sans méca, j'aime vraiment pas Arme du Crime. Le gros intérêt d'Arme du Crime, c'est que c'est actif sur les ripops, donc avec méca, c'est bien. Sac de kidnapping, c'est en termes de power level largement la meilleure des trois. Je vais essayer de rivaliser hein, en achetant ceci. Ça va pas être simple. Liche tour 4, ouais. Liche tour 4, ça fait peur un peu. Hein. C'est-à-dire que le principe de la liche, c'est je sacrifie la moitié de mes points de vie pour sur ce timing-là essayer de me péter la gueule. Après, je suis quand même solide. Hein. Ça plus ça, c'est deux très bons serviteurs. Disons que la liche. C'est surtout tour 5 que la liche fait très peur. Tour 4, à moins d'avoir un tour exceptionnel, je peux contester là. Elle a up. Oui, elle a up au tour d'avant.
Là, elle a acheté. Ouais, mais voilà. Ce sera pénible, mais les tours d'après. Là, pour l'instant, on est sur le timing où elle se met en place et on en profite. Allez, hop. N'hésite pas à mettre quelques petits life tap encore. 13 points de vie. Il est vraiment bien, lui. Maintenant, j'aime beaucoup le fait que ce soit un taunt. C'est cool et vous pouvez vraiment le garder beaucoup plus longtemps. J'aime beaucoup le changement qu'ils ont fait pour cette carte. C'est vraiment devenu une bonne carte. Prochain tour, on peut envisager de up, hein. Ça me choquerait pas. Voilà, le principe, c'est que maintenant, à partir de maintenant, la liche, elle va mettre des moins 15 à la plupart des gens qu'elle va croiser. Et puis à un moment, il y a un mec qui aura bien mené sa barque ou qui va la scam et elle va crever. Donc là, elle va juste terrifier ses 3-4 prochains adversaires et mourir comme une merde ensuite. Ou alors, elle va chatter suffisamment fort pour s'en sortir. Ouh. Oh le gneugneu. Oh le vilain gneugneu. Solide le gneugneu. Le bâtard de gneugneu. Oh il est putain de strong hein, le gneugneu. Yayouille. Est-ce qu'on peut réellement se permettre de level up? Pas fan des tours proposés. Peut avoir un 6 au prochain tour si on veut. Je pourrais garder lui en main. En vrai, je trouve ça marrant. Oui, je suis en train de grid avec le chat, ce qui est complètement con. Après, ça a level up là-bas aussi. On aurait pu prendre la paire là-dessus, mais... Ceci, c'est un 6. Quasiment tout le temps, alors que ça, bah, si je touche pas ma paire, bah, c'est une créature assez médiocre, quoi. Oh, je vois un 40% de chance de pas prendre de dégâts. Il me plaît ce 40%. Oh, puis il est bien embarqué, je trouve. Ok. Ouais, non, je pense pas qu'il soit bien embarqué. Je pense que ça perd là. Et ouais. Bon, en vrai, c'est une toute petite défaite, c'est ok. Faut juste un taverne 5 là. Please. Y a un monde où je remonte ça, hein. Ce tour.
Transformer une créature en 15-15, c'est plutôt fort. Du coup, la liche, exactement ce que j'avais prédit, hein. Moins 15, moins 15. Nomi n'était pas juste ouf. Non, mais Nomi, il faut bien vous mettre en tête que c'est lent, hein. C'est très très lent, hein. Je meurs, hein, si je perds mon temps à essayer de jouer Nomi, je pense. La grande majorité du temps, évidemment, une game sur X, je peux réussir à m'en sortir parce que mes adversaires seront trop faibles et ne pas mourir, et ça le fait, mais... Genre là, déjà, je me prends une grosse défaite, hein, si je prends... Là, ça limite vraiment beaucoup la casse, hein, d'avoir de pas avoir pick Nomi. Bah, c'est un match nul en fait. Alors que je prends Nomi ici, c'est facilement à moins 15. Hein. T7, c'est encore assez tôt, nope. Non, non, c'est pas assez tôt, non. C'est là votre erreur, c'est que non, ce n'est pas assez tôt. Merde, j'avais pas vu que j'avais deux démons. Pas la fin du monde, mais... Le sac a une bonne synergie avec Nomi aussi. Le sac a une bonne synergie avec tout. C'est juste qu'avec Nomi, vous la trouvez facile. Et que Nomi est un plan de jeu simple. Et donc vous aimez bien vous rassurer avec ça. Mais je vous garantis. Car arriver à un certain elo. Prendre Nomi T7. Avec très peu de tempo comme c'était le cas ici. Ça mène à des top 8. La force de Nomi, c'est que c'est facile à jouer. C'est pas son power level, la force de Nomi. Hein. Je pourrais prendre un gros démon. Ou un élème un peu sympa. Ah bah d'ailleurs, est-ce qu'on l'avait pas prévu ça aussi? Ah bah pas de chance. RIP.
Prendre le gros démon et Uther, l'élème bouclier divin. C'était pas un mauvais play, je suis d'accord. Ça aurait pu être clairement un play envisageable. J'aime bien sur le long terme, dans un lobby où mine de rien il y a Murloc, avoir un cleave. Mais pour le court terme, l'autre play était assez fort également. Faudrait que je vire ce rag, hein. Il a rien à faire là. Après, ça c'est beaucoup de stats en soi. Évidemment. Ok, lui fait un peu peur. Ah, c'est parce que lui aussi il a le sac de kidnapping. Trop fort le sac de kidnapping. Ok, pas mal ce premier hit, j'ai beaucoup aimé. Pas la 60-60. Pénible. C'est une victoire. Bon, le problème c'est que à part l'élémentaire. À part l'élémentaire cleave, on booste vraiment des créas un peu merdiques. Oh. C'est un gros pirate, ça. Oh. Ouais. Je pense pas que ce soit ça ma solution. Par une tasse de thé.
Avec un meilleur placement, j'avais plus de chances d'essayer de le létal ici. Mon placement était un peu approximatif, notamment le pirate qui est un peu loin. C'est jamais, hein. Ça peut être un beau triple ça. Si j'arrive à tripler ça, on est juste trop bien, donc on va le prendre. Le fait de pas pouvoir être board... Cette quête elle est vraiment trop forte. Le fait de pas pouvoir être boardlock, de... C'est Jean 10 encore plus fort en fait. Taverne 6, faut quand même un peu se méfier, je pense. Il y a clairement de la mantide possible là. Jusqu'à pas. Oui, non, la quête, c'est assez étonnant qu'elle soit. Mais en fait, oui et non, parce que. Pourquoi est-ce que cette quête est pas plus dure à réaliser? Bah, parce qu'à bas niveau, les gens pensent qu'il faut jouer Nomi avec. Il est très fort lui. Dur. Il fait très grosse game. Hein. On s'en sort très bien. La quantité de dégâts qu'on prend là est vraiment minime. Le problème c'est que il est en pirate APM. On ne peut pas battre pirate APM, c'est le principe de la compo. Le principe, c'est qu'on a perdu, malheureusement. Je peux peut-être me tromper, hein, mais... On va faire un transfert de gemmes vers lui. Et puis la vendre et espérer. Mais dans tous les cas, je battrai pas lui en fait. En tout cas, je pense pas. Faut rien d'essayer après. Top 6, pas plus intéressant. Non, je pense pas. Parce que là, je cherchais mon héroïne dorée. Je cherche. Il y a encore des caréas que je cherche à ce niveau de taverne, je pense. La boule, ça peut être fort, la boule, en vrai. Bon, lui va... Ah non, il est mort. Oh, mais lui, il est encore pire, en fait. Coup dur. Ah oui, il est en effet encore pire. Est-ce que j'ai le temps d'essayer de...
Je sais même pas pourquoi j'ai vendu ça. J'étais censé le transférer, j'ai paniqué. J'avoue que j'ai vu son gros pirate, je me suis dit fuck. On est mort. Oui, non, mais j'ai niaisé là. My bad. J'arrive pas à trouver de mantide. Yep. Je pense que de toute façon on était dans. Ah, en vrai c'est close. Ça fait chier parce que je pense que ce tour, à une autre heure que 1h30 du matin, y a moyen que ça passe, mais là je suis complètement passé à côté. Là ça allait pas du tout quoi. Ok, on a le nul. C'est un peu miraculeux, hein. Je mérite clairement pas ce match nul. Nous faut le baron. On transfère les gemmes de ça. Oh, on a merdé tellement de trucs, je me déteste. Pas plus fort que ça. Les critiques sont publiées. Vous avez obtenu 3 étoiles. Et alors peut-être. Pas qu'il chope ma créa de gauche. C'était un peu chiant, dommage. Il faut bien commencer quelque part. Moi, c'était avec des pêches. L'entraînement mène à la perfection.
Aïe aïe aïe, ça c'est très mauvais, je crois. Et ça c'est bon. Ah, mais c'est pas possible. Je sais qu'il y a un tour où j'ai niaisé, oh non. Oh là. Remuez ça trois fois et vous aurez terminé. Vous ne trouverez pas plus fort que ça. Je sais même pas si le baron est si bien que ça en fait. Ouais, mais rentrer le deuxième Leroy est pas beaucoup mieux. Peut-être que ceci est un peu random. Ouais, bon. Ouais, après, peut-être que je peux avoir le droit. Oh, il a mis son petit Leroy, mais ça me dégoûte. Il joue bizarre, lui. Il fait le baron. Son gros pirate devient inquiétant là-bas. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui! Je ne sais pas quel est votre ingrédient secret, mais il est excellent. En vrai, je merde beaucoup cette game, hein, parce que si je la perdais, je pouvais beaucoup m'en vouloir, parce qu'il y a un tour où, je sais pas, ça a juste fait pioup dans mon cerveau, et j'aurais pu faire une beaucoup plus grosse boule, vraiment faire un tour beaucoup plus stylé, et me garantir le top 1 contre lui, mais je sais pas, j'ai un peu bugué sur ce que j'avais eu sur sa découverte, et j'ai essayé d'imaginer sa compo,
Et je me suis dit, tiens, je vais prendre son lardeur et essayer de partir en APM moi aussi, et ça n'avait aucun sens en fait. Je me suis éloigné de mon plan de jeu de base qui aurait très bien fonctionné.